m'avez cherché. Ouais. Votre ex-épouse est à l'hôpital depuis dimanche, puis là, on est mardi, là. C'est choc. Ils ont fait sauter avec une bombe. J'étais encore sous le choc, là. J'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Travailler au pénitencier, là, pour des calices de malades comme les archanges, là, c'est dangereux. On le sait, là, mais on l'oublie, on s'habitue. Mais là, il n'y a pas personne qui me dit « t'es où? » Je peux-tu savoir? Ah, ici. Ouais, c'est beau, éteins-nous ça. Ouais. C'est quoi, c'est un exercice? Non, ouais, Bozo qui a déclenché l'alarme. Chemise blanche, feu foncé. Ce qui arrive quand on a perdu son billet. Elle est mon billet. Elle avait 12 ans, Alain. Elle sait, je l'ai lu dans le journal. C'est tout écrit ici aussi. Shit. Quoi? T'aimes pas ce dessin? Donne-moi le voir. On le fusillait tout ça! Gracias.
parce que ça ne tentait pas de faire affaire avec ces gars-là. Puis là, ils ont aussi. Franco vient de lui faire cracher que c'était un Shylock qui lui a cassé la jambe parce qu'il pouvait pas faire son paiement. C'était pour ça la chicane au bar le soir d'avant entre lui et la victime? Ouais. Hey. Alain, il faudrait qu'on sache pour mes alambics. Nous autres, on est prêts à opérer aussitôt que tu nous les livres. Tu vas-tu me faire la baboune encore longtemps, toi? Fuck him, asti. Alain Bergeron? Oublie Bergeron. Je connais la rumeur, j'y ai parlé, c'est rien. Écoute, Stan, j'ai parlé aux WAPS, j'ai parlé aux Russes, j'ai même été voir les Chinois. Absolument rien, rien. Personne ne sait pourquoi on aurait voulu la faire sauter. Les Blacks. Jack. Jack est allé voir les Blacks. Il est où, ce style-là, là? On a-tu des nouvelles de son petit calice de frère, là? Savoir si c'est lui qui a vendu des explosifs. Encore, là, en ville, les gars se demandent ce qui se passe autant que nous autres. Excuse, tu voulais le journal? Ouais. C'est le journal d'hier, je l'ai lu, celui-là. Excuse. Puis les Blacks, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et quoi? Ils m'ont envoyé chier. Ah, c'est qui est nul. As-tu déjà vu ça, toi, un nul aussi nul que ce nul-là? Ton petit calice de frère Dédé, là, qu'on retrouve pas, il est aussi nul que toi? Il a disparu. Ma femme a tout fait, tout. Elle a été voir partout, elle a parlé à ma mère, à toutes ses chums, à sa blonde, la famille de sa blonde. T'es un homme mort, Jack, si tu me mens. Ouais, je le sais. C'est-tu dans son habitude de ton petit frère de disparaître? Non, c'est ça qui est ça. Jamais, jamais qu'il a fait ça. Je suis bien inquiète. Avec raison. Pour Dédé, je pense. On va être des calices. Ah, veux-tu que je retourne les voir, les Blacks? Laisse faire les Blacks. On occupe. Tout le monde parle de la bombe. À radio, à TV, dans les journaux. Puis là, c'est la même vieille rengaine. C'est arrivé parce que le système est trop soft. Mon père dit ça. Moi, je dis père. Je travaille là, c'est pas de même. Mon père, si on l'écoutait, là, ils seraient tous dans des cages au pain et à l'eau. Quand tu arrives avec la nacelle, c'est toi qui montes dedans, OK? J'aime pas les hauteurs. Puis ta femme et ton gars, ils vont bien? Ouais. Attends-moi ici, je vais aller voir ce qu'il y retient. Ta télécommande, ton antenne, la batterie. Positif, négatif, OK? Avec des puces. 3, 4, 5. OK? Ça, c'est bien important. C'est le contact va se faire mieux. OK. C'est bon? Tiens-moi ça. Ça a bien poussé cette année. Il y a plein de boyaux qui ne servent plus à la shop.
Si tu demandais la permission, je pourrais te patenter quelque chose qui te sauverait d'avoir à trop faire ça. À remplir ton arrosoir à la main de même. Je te ferais ça pour rien, là. Comme ça, là, pour le fun. Je te remercie, mais je ne sais de même. Ah ben. Si t'aimes ça de même. Les femmes sont certaines? 100%. L'infirmière vient de le choisir dans le line-up de photos sans hésitation. Pareil comme la sœur. Bingo! C'est lui qu'on veut. L'identité judiciaire vient de sortir son nom à partir des empreintes laissées sur le papier emballage du bouquet. Monsieur Lavoie. Lui-même. Il est en libération conditionnelle. J'ai le nom de son agent. Et va? Ouais. Oui, nos deux témoins ont identifié un suspect. Pierre Lavoie, alias Pic. Puis, Sauriol? Si on trouve un lien entre la voix et lui, on se réalisera, mais moi, j'en vois pas. Il n'y a pas de mobile. Ouais. C'est-à-dire, si son problème, c'est le cash, puis quand il n'y a rien à tuer. Let's go! Bon, j'ai mis les informations que tu as dessus dessus, là. T'as l'adresse chez lui, l'adresse de la moto où il travaille, info de base sur son employeur. Après ça, t'as la liste de ses connaissances, parenté, amis, adresse, téléphone, tout le kit. OK, parfait. Je te remercie. En tout cas, c'est lui qui vient faire un crise de jump, ce style-là. Zéro violence là-dedans. Vous voyez pas ça venir? Pas en tout. Il m'a eu, puis pas à peu près. Faut dire qu'on n'en voit pas souvent des comme lui. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un gars de la haute, hein? Ses parents l'ont déshérité il y a 6 ans, mais il était élevé dans le gros luxe, lui. Il me racontait des histoires de chauffeurs qui conduisaient à l'école, ils voyagent en Europe. Mais moi, je ne croyais pas. J'ai vérifié ces histoires-là. Tout vrai. Que nous autres, c'est pas en Europe qu'on va l'envoyer. Je te remercie, là. Reçu d'un magasin de jouets payé avec une carte bancaire. Si le jouet, c'est une auto téléguidée, puis la carte est à lui. Il manque pas grand chose à part le pourquoi. Ouais. Léo, tranche-moi ça précieusement, mon ami. Merci. Shit. Bobino. C'est le numéro du cellulaire au nom de Bobino. Celui utilisé pour avertir le gars du pen juste avant l'explosion. Avant de rappeler, j'ai fait Redial. Non, Redial, l'autre truc de le code. C'est pour ça que j'ai le numéro du gars qui a téléphoné. Fais-tu du sens, ça? Quelqu'un qui a écrit son propre numéro sur le mur? Peut-être le cellulaire, il est pas à la voix. C'est ça qu'on va lui demander quand on va l'attraper. Well, what do you want me to do? Oui, allô? Manu, c'est Chuck. Sais-tu comment rejoindre Pic? Ben, t'as pas son numéro chez eux? Ouais, mais il est pas là. Je veux dire de pas y aller, la police la cherche. Ben, t'en sais pas quoi? Non, mais il s'en va. Pierre Lavoie, ça dit quelque chose? Il travaille pas ici, il est jamais venu ici? Non, mais c'est Pic. Travaille pas ici, il n'a jamais travaillé ici? Travaille pas ici. Looking for Pierre Lavoie. Have you heard that name, Pic? Gave a card, hear anything? Fais son gaffe. A couple of cops here looking for you. You better fuck off. Find a new place to lay low. No, look, just find me a fucking ticket to Costa Rica, okay?
commence pas à manger. J'ai pas invité à ma table pour manger. Et pour te dire qu'il y a deux de tes nègres qui ont envoyé chier un de mes gars quand il a voulu leur parler de la bombe qui a fait sauter la Pelletier. Vous perdez votre temps si vous pensez... Tu penses que je perds mon temps? Je m'en tabarnak, c'est pas de tes calices, cette affaire. Il y a quelqu'un ici qui sait qui et pourquoi on veut faire passer ce coup-là sur notre dos. Puis je m'attends à ce que tout le monde m'aide à le retrouver. Système d'arrosage, mais peut-être les boyaux sont enterrés. J'ai lu ça dans un magazine, là. Ça avait de l'air bien expliqué. En tout cas, je pense que je pourrais te patenter de quoi, là. Tu cherches quoi, là, toi? J'ai besoin de parler à quelqu'un. À une personne. T'as tes amis? T'as ta bulle? Non, je peux pas. Pas pour ça. Je peux pas. La femme est partie avec mon gars hier, puis... Tu passes par un bout de rof. Hein? Mets-toi sur la liste pour le psychologue. En plus, ça va bien paraître dans ton dossier. À toi, je veux parler. Parler pas mal, mais... Ça m'intéresse pas. Écouter des gars qui pensent qu'ils sont en train de faire leur temps dur, là... j'ai donné. Pas dans ma tête. Ça, je fais du temps dur, Chris. Je veux changer. Je veux changer comme toi. Moi, je veux que tu me parles de comment que t'as fait pour marcher droit. Un peu plus, là, moi. Pourquoi? Parce que c'est ta bombe qui a tué la petite fille. Fuck that, man. J'ai rien à voir avec ça, moi. Parce que si j'avais à voir avec ça, là. Avec un enfant. Non. J'ai rien à voir là-dedans. C'est toi qui le sais. Ces plantes à Beaupré. Ben, ils ont fait exprès d'oublier, tu sais. Pour faire chier. Ça fait rien que commencer, check bien. Dis pas que c'est moi qui les ai trouvés, hein. Il est tellement tête de cochon, c'était stylé, il serait capable de les jeter pour pas avoir à me remercier. Puis, une fois que j'y donne? Ben, tu sais, il y avait des gars ici qui. Ils pensent que c'est un sage ou un saint, ou... Ouais, fuck, je sais pas quoi, là. Puis, ils vont le voir. Là, ils se confient, tu sais. Quand ils sont en crise, quand ils ont un secret, quand ils savent plus à qui d'autre parler.
peut-être essayer de... d'y demander s'il a entendu parler de quelque chose à propos du coup de la Pelletier. Mais je pense pas que ça marche. Pas juste être dur, il est wise. Pour moi, il va me voir venir de loin. Ben, je sais bien. Je peux toujours essayer. Ah, je peux essayer, ouais. De laxisme dans le système carcéral qui ont défrayé les manchettes récemment. Mr. Speaker, our prison system in Canada is recognized as one of the best in the world. I want to assure this House that I fully intend, as the minister responsible for Corrections Canada, to make sure it stays that way. Elle va survivre? On me dit 50-50. Si elle meurt en plus, Ottawa va vouloir marquer le coup, c'est certain. Action talks, bullshit walks, Mr. LaSalle. C'est ce qu'il me dit. Puis toi, t'as voulu l'impressionner. T'as jamais rencontré ce assistant général, toi? Pas reposant. Francis, t'as voulu l'impressionner parce que le bureau régional, c'est bien beau. Hey, mais wow, un poste en Ottawa. Le plan de transférer tous les archanges là, des autres pénitenciers vers un seul, c'était déjà sur la table, ça. Ça, c'est un plan qu'on avait rejeté. L'idée des avoir tous sous le même toit lui plaît beaucoup. Ben oui, c'est ça, sous mon toit. Ben oui, sous ton toit, Bernard, oui. Est-ce que quelqu'un a pensé à l'impact que ça va avoir chez nous, ça? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là, non? Tu peur de perdre ta réputation de peine modèle, Bernard? Bernard, regarde, j'ai insisté pour que tu sois là pour la belle conférence à Ottawa matin, OK? C'est ta chance d'argumenter contre avant que la décision finale soit prise. Si t'as mis retourner à ton peine, l'attendre la décision, retourne-y à ton peine. Attention, attention, début des activités. Tu ne savais pas? Dans son dossier à Bergeron, là, il y a un dessin d'une bombe, il ressemble à celui-là comme deux gouttes. Les deux de la sécurité préventive, Paquin, puis le nouveau, là, Dallaire, il y a une liste de ses chums à l'extérieur. Je vais essayer de savoir plus long demain. On va lui donner la chance de s'expliquer à Bergeron. Après son verre. Mère a toujours eu un gros jardin. Je sais pas si tu vas pouvoir les sauver. Ensemble, hein? Peut-être trop, hein? On le sait que c'est pas les archanges. J'ai Stan Boulet lui-même sur un tape en train de dire au téléphone à sa blonde qu'il veut savoir qui a fait le coup. Comme si c'était pas la première chose qu'il ferait, Boulet, pour nous montrer qu'il y a rien à voir là-dedans, voyons. De toute façon, on n'est pas ici pour discuter de l'enquête, hein? Non. On
est ici pour planifier demain. L'enquête est pas de notre sort. C'est juste de la politique, cette histoire de transfert-là. Ben oui, Fernand, c'est juste de la politique. Certain que c'est juste de la politique. Puis tu joues à ce game-là. Les services correctionnels se font traîner dans la boue par les plus grands quotidiens d'un bout à l'autre du pays. Si on réagit pas, tout... Oh, on s'est toujours fait critiquer! N'importe quoi on se fait critiquer! On serre la vis, on se fait taper sur les doigts pour nous dire qu'on est inhumain. On desserre la vis, on les traite bien, puis là, on se fait dire que les pénitenciers sont trop beaux, puis qu'on joue pas notre rôle de dissuasion à la criminalité. Depuis le premier jour que j'ai mis cet uniforme 7, que j'entends soit l'un, soit l'autre, tabarnak! Écoute, t'as droit à ton opinion. Hein? Mais là, tout de suite, la situation est qu'Ottawa a pris une décision et nous a donné un ordre. Et moi, je voudrais pouvoir les appeler aujourd'hui même pour leur dire quand et comment va se dérouler ici cette opération. Les autobus arrivent à quelle heure? Mets-toi contre le mur. Mets-toi le dos au mur. Pourquoi je t'ai demandé de faire ça? Les tours me voient pas. Ni les tours, ni les caméras. As-tu besoin d'autres éclaircissements sur la situation dans laquelle tu te trouves avant qu'on commence? Après ce que je t'ai dit, après tout ce qu'on s'est dit, tu vois dans le journal le dessin d'une bombe que tu aurais pu fabriquer. Puis tu viens pas m'en parler. Tu viens pas me dire, Stan, mon homme, j'ai enseigné à tel gars puis à tel gars comment fabriquer une bombe pareille comme celle-là. Qu'est-ce que je suis censé penser de ça, moi? Qu'est-ce que je suis censé penser quand c'est pas toi qui me l'apprends, mais c'est un autre? Puis en plus, j'apprends que tu parles à la police. Tu n'as rien dit à la police. Je parle pas à la police, moi. Ouais, ben, moi, tu vas parler. Tu vas parler en tabarnak, tu vas parler plus fait à part de ça. Qui d'autre sait comment fabriquer une bombe de même? Il y a plein de monde. Fais pas ça, Alain, OK? Fais pas ça, joue pas ces games-là avec moi. Hey, Alain! Alain, viens ici, man! Où ça parle? Hey, qu'est-ce qu'il y a, là? Faut que j'y parle, c'est urgent. Tu déranges. Laisse-moi parler à Stan. Stan! Excuse-moi, là, mais j'ai vraiment besoin d'Alain. J'ai 300 litres de brou dans une cachette. La ventilation a fucké, ça sent fort. Je t'avais de tout perdre, moi, là, man. Puis? C'est Alain qui a la clé de la place, la seule copie. Faut que j'arrange ça, moi, comme tout de suite, là. Sinon, c'est 2 mois de travail que je perds, calvaire. Stan! Tu sais me trouver, tu sais ce que je veux, hein? Si je t'ai pas vu avant mon premier café demain matin, c'est ce qui t'attend. T'en dois une, man. C'est le même, tu vois ça? Moi aussi. You fuck. Combien d'alambics que tu veux pour ta main? Il ne sera pas content que tu t'aies mis entre moi et Steve. Un jour à la fois, moi. Un jour à la fois. Happiness and the loneliness. I think I'm gonna cry.
Combien d'archanges on parle entre eux? Niveau médium, là, patché ou bien qu'ils sont à veille de l'être, mettons 60. Mais Fernand, il exagère pas un peu la merde que ça va créer? Après-demain, tout change. Les rapports de force, les alliances. Deux scotch, pas beaucoup de glace. Les nouveaux qui rentrent vont vouloir marquer leur territoire. Ceux qui sortent vont avoir laissé un vide. Ça va être un hostie de casse-tête. On va perdre des délateurs aussi. Pas des délateurs, tu sais. Un de perdu, 10 de retrouvé. À part quelques dinosaures là, qui se font encore des illusions sur l'honneur criminel, ils sont toutes prêtes à se stouler. S'ils figurent dans leur petite tête de bandit que ça peut leur rapporter. Merci. Merci. Le seul problème avec un nouveau délateur, c'est que des fois, toi, t'as pas encore compris sa game. Puis là, après-demain, il y a bien des games qui vont changer. Tchin tchin. Téléphoner sur mon cellulaire. Oui,
J'avais une liste de 2 pages de longues questions pour elle quand elle se réveillerait. On m'en fait une copie. Va donc te coucher, Franco. Hein? Si on a des nouvelles depuis que la voix, là, ils vont nous appeler, pas peur. On aurait dû faire ça, Joe. Excuse-nous, Alain. C'est la lampe. T'es sûr? Et où la clé du contrôle? Je peux pas monter en haut, j'ai pas la clé du contrôle. Hein, monsieur la... Je te gâche que j'ai pu à calice d'hostie tabarnak de boîte des mains. Hey! Hey, dans le char! C'est correct! C'est juste un rêve! 12 ans! J'avais juste 12 ans! Je sais, je l'ai lu dans le journal. Max, il est où, Alain? Avec toi? Non. Attention, attention, le déjeuner est retardé d'une heure. À part les détenus affectés à la cuisine, tous les autres restent en cellule. C'est le gars qui a sauté l'autre jour. C'est tellement jumeau. Vos effets personnels vont suivre dans une dizaine de jours. On n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en ville. Ça fait 6 mois qu'on prépare ce transfert. Bullshit! C'est une coïncidence si ça arrive. C'est du harcèlement. Je veux parler à mon avocat. Ton avocat? Pas de problème. Aussitôt que t'es arrivé à Saint-Ange, je suis sûr qu'on va pouvoir te trouver un téléphone qui marche. Calme-toi, Boulet. OK, ça va, les gars, ça va. OK. Stan. Fuck you, let's go. Bye-bye, my love, goodbye.
There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Sud et l'ouest du Québec, plus à l'est, vers Québec et à l'est, c'est beau. Ça commence à devenir... est activement recherché par la police en rapport aux deux événements. Les obsèques de la jeune victime de l'explosion de la voiture piégée auront lieu après-demain à l'église Notre-Dame du Bon Pasteur. Celle de l'agent des services correctionnels qui est décédé cette nuit. La télécommande est là. Au plus, 1, 2, 3, 4, fréquence courte. Bang! Bang, mais il manque une affaire bien importante. Commencer dessus. On est mieux, là. On la recommence, faut que ça devienne comme une deuxième nature, tu sais, comme parler français. Oh, Christ. Oh,